Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut faire quand on a des notifications de Chrome. Alors là, dans ce cas-là, c'est des faux virus, mais vous pouvez aussi avoir des notifications de recettes de cuisine ou de choses qui se passent. J'ai beaucoup, beaucoup de clients qui se plaignent, donc je vais vous montrer une bonne fois pour toutes comment bloquer ces notifications. Vous avez, donc là, si on regarde bien, les notifications viennent d'un site. Là, ici, c'est trois fois le même. Donc en fait, c'est soit on bloque ici, la petite roue crantée, bloquer toutes les notifications de ce site. Le problème, c'est qu'après, vous risquez encore d'avoir d'autres notifications d'autres sites. Pour bloquer définitivement les notifications, vous faites les trois petits points en haut à droite, paramètres. Ici, vous allez dans confidentialité et sécurité à gauche, vous descendez jusqu'à paramètres du site. On descend jusqu'à notifications. Et là, vous allez voir, ici, c'est les notifications qui sont bloquées et ici, c'est toutes les notifications qui sont autorisées. Donc, comme on peut voir, le client, par accident, je pense qu'il en a autorisé pas mal. Donc là, on va cliquer sur « Tout bloquer », tout simplement. Donc là, on va quand même bloquer cela aussi. Hop, donc là, après, on peut les bloquer individuellement pour les derniers qui restent. Voilà, donc tous les sites là se retrouvent dans la liste des bloqués. Et pour ne plus être embêté dans le futur, vous faites ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications. Et donc en faisant ça, on ferme, on réouvre. On se retrouve avec notre PC qui est complètement vierge de notifications. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt !